Et salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo afin de vous expliquer le système de la forge. Alors je vais le faire devant vous en même temps. J'ai fait une vidéo déjà tout à l'heure, enfin en tout cas j'ai fait une vidéo sur la nouvelle mise à jour. Et là je vais le faire moi-même puisque j'ai effectivement ce que je vous ai expliqué, 9 armes orange. Je vais switcher sur l'archère, je vais arrêter de jouer la magicienne. Et je vais tester, j'espère que ça va marcher parce que j'avais prévu, en fait j'ai mon arme, je vous allez le voir. Déjà c'est celle-ci qui m'intéresse. Commencer, voilà, comme vous pouvez le voir, je vais mettre, on peut mettre n'importe quel type d'arme, voilà, pour fabriquer le suivant. Comme j'avais dit, il faut 3 items socket pour faire un de socket, et normalement le plus 35 de mon ancienne arme devrait être répercuté directement sur le nouveau craft. J'espère ne pas faire de bêtises là-dessus. Si c'est le cas, je pleure toutes les larmes de mon corps. D'ailleurs, je pense que je vais le faire à la fin. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je prends n'importe quelle arme. Et c'est parti, inscrire, fabriquer équipement. Alors, voulez-vous, est-ce que c'est bien celui-là? Fabriquer équipement, boum. Voilà, comme ça, je le fais directement devant vous. Je vais fabriquer mon arc de Liverto ultime. Voilà, un premier orange. Maintenant, il m'en faut un deuxième. Allez, 1, 2, 3. Fabriquer. Équipement. C'est parti. Voilà le deuxième orange. De socket. Qui est fabriqué. Maintenant, on part sur le dernier. Là, je me suis trompé. Hop. Encore un barès. Hop. Pam, pam, pam. J'espère que ça va marcher. Normalement, ça le transfère. Fabriquer équipement. Donc voilà, moi j'avais 9 items orange, 1 socket. Et après, je vais transférer du coup ces 3 items orange, 2 socket en Liverto ultime. Voilà, Liverto ultime, fabriqué. Bam, bam, bam. À la Wagba. Je rigole. Inscrire. Fabriquer maintenant. Popo, si si la famille. Normalement le plus 35 reste. Arc long de Liverto ultime fabriqué, plus 35, oui. Oui, voilà. Bon, vous avez compris le système de forge, maintenant je vous le présente un peu plus en détail. On peut faire ça exactement avec tous les items du jeu. On peut le faire avec les dagues, on peut le faire avec les casques. Et on peut prendre n'importe quel type de casque à chaque fois, n'importe quel type d'armure, et n'importe quel type de gants, et n'importe quel type de chaussures. Voilà pour ce qui est clairement de cette mise à jour. Comme vous pouvez le voir, eh ben, je peux équiper définitivement mon arc de Liverto ultime. Et j'ai bientôt la possibilité de crafter une dague Rosard. Voilà les loulous, c'était une vidéo très très courte. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à follow, à venir sur mon live, à faire des commentaires, à faire des pouces bleus. Je vous ai présenté un peu mieux cette forge là. Maintenant, je pense que c'est assez clair pour vous. Et n'hésitez pas à utiliser ce petit code que vous voyez ici, toujours pareil, dans le menu ici, relations, renommée de l'aventurier, vous l'ajoutez. Et à partir du niveau 20, vous pouvez récupérer des cadeaux tous les 10 niveaux qui vont vous donner des perles noires, des pierres d'enchantement d'armure, etc. Tout un tas de bonus qui vont vraiment vous faire passer beaucoup de choses rapidement. Enfin, ça va vous faire un gain monstrueux et c'est gratuit. N'hésitez pas à faire tourner les vidéos si vous me trouvez sympathique et tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas à retourner sur ma vidéo de la mise à jour que j'ai faite juste avant celle-ci. C'était juste une présentation rapide de la forge. Alors évidemment, faut la forge niveau 13. Hein. Faut la forge niveau 13. Voilà, ni plus ni moins. Donc sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo pour vous présenter cette petite upgrade. On se retrouve très bientôt. Des gros bisous, soyez pas trop sages. Et ah si, dernière chose. Eh les gars, pensez à aller sur le groupe Facebook. Il est en dessous dans les liens. J'ai mis tout un tas de liens, de database et d'informations qui peuvent vous aider. Et dans les liens de vidéo, sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus, vous avez un groupe Facebook de la communauté française Black Desert Mobile. Donc n'hésitez pas à y aller, ça vous permet de trouver des clans, de discuter avec les gens et d'éventuellement aller sur le Discord qui est aussi de cette communauté. Voilà, je pense que j'ai assez parlé pour cette petite vidéo.
et que vous avez été jusqu'au bout pour suivre toutes les informations que je vous ai données. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.